différence. Ce désir ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse. Me cacherait aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut. Ah, vous rigolez moins là. C'est-à-dire qu'on va devoir attraper les câbles, c'est-à-dire qu'on va devoir aller tirer. Et ça, 8 km et demi. Donc ça fait autant d'aller plus qu'un record, puisque... Merci Michel. Voilà. Je vous laisse sortir le... Des rêves pour lesquels je vivais. Je n'ai pas pour te dire je t'aime. Non, seul seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute. Elle est posée. Je ne sais pas si on verra quelque chose sur l'écran ici. Non mais attends. Essayez d'être d'accord pour l'enregistrement vidéo s'il vous plaît. Voilà la deuxième équipe. Ben là, on a un vent établi de 30-35 km/h, hein, constant, ouest-sud-ouest, donc une bonne tramontane. Toutes les conditions sont réunies pour faire un vol sensationnel. Et parce que le vent arrive de Bordeaux, là. Bon, donc on va s'organiser pour que ça se passe bien. Mais on a besoin de tout le monde, calmement et sans panique. Okay, tout le monde équipé avec des gants. Hein. Okay, tout le monde avec des gants. Le plus dur, ça va pas être de monter. Le plus dur, c'est de redescendre. Donc, soit on va le faire manuellement, soit on ne pourra pas, parce que ça va attirer trop fort, et à ce moment-là, on a un procédé avec une voiture. Mais on aura besoin de tout le monde. Le treuil, donc avec Jean-Marie, on a adapté le treuil pour qu'il soit bloquable. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça risque de ne pas être une partie de plaisir. Là, ça sera un coup de chapeau à tout le monde. Hein? Okay. Voilà, alors avec le monsieur du Midi Libre, là, il va vous prendre en photo avec vos professeurs, devant le cerf-volant. Donc, vous allez vous mettre devant. Traction, 200 kg de traction, on le défend au moins. On arrête, c'est trop. On va lancer l'autre cerf-volant. Alors, descente du cerf-volant avec une traction trop importante. Descend doucement.
puisqu'il soulève deux personnes. Il a fallu se mettre à 10. Voilà, l'autre cerf-volant est déployé. Et le premier, rangé. Alors, c'est parti. C'est parti, deuxième envol. Préparation du camion avec le blocage. On va pouvoir débloquer l'appareil. Parti. Voilà, le freinage en place, le frigapouille et le cerf-volant prend de l'altitude. Le blocage vient de marcher, tout va bien, le frein est en place. Nous avons une... Et le voilà. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut. Eh bien, on reprend un peu d'espoir puisque le cerf-volant est reparti en altitude. On est en train de remonter, on va en profiter pour le temps qu'il prenne un peu d'altitude. Si toutefois il en prend encore un petit peu plus, là, c'est la fin. Les péripéties de l'expérience. Voilà, ce bateau qui voulait rentrer au port a été bloqué par le fil qui traverse le chenal. Accompagne le câble. Le câble sera bloqué et remis en arrière. Donc voilà la voiture qui ramène le câble avec une poulie au camion. Et elle fera évidemment plusieurs voyages parce que après l'arrivée de la voiture, on bloquera tout pour pouvoir rembobiner avec la bobine ici présente qui n'a pas bougé. Terre pour lesquelles je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime. Ou seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute. Elle le posait dans d'autres mains. Cerf-volant intact. Oh. Ah. Oh là, oh là, oh là.